Les hôtels sont emprisonnés, les écoles sont emprisonnées, donc nos petits Français ou autres ne vont plus à l'école parce que leurs classes sont emprisonnées, les gymnases sont emprisonnées, donc vivre le sport c'est important, mais on ne peut plus en faire parce qu'ils y installent des lits. Mais nous, ça, on n'y a pas accès. Donc c'est ce que je dénonce depuis un certain moment via TikTok. Donc voilà. Voilà. Nous, les tickets restaurants, on n'en a pas. Enfin, le français en France n'est plus sur son sol, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de dénoncer, parce que je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas un cas unique. Voilà. Moi, je travaille à Porte de Guignancourt, madame. Les migrants, je les vois, les associations s'en occupent. Je vois également dans le métro des SDF qui mendient une pitance et qui disent « Mesdames et messieurs, je vais passer parmi vous. Si vous avez une pièce, un ticket restaurant, je les vois tous les jours, ces pauvres malheureux que personne n'écoute. Et moi, je vais vers eux, je leur dis, je ne peux pas vous aider. Mais madame, monsieur, si vous êtes SDF, si vous êtes méprisé, c'est parce que vous êtes français blanc. Voilà la réalité. Et c'est un réunionnais qui vous parle. Moi, le demi-noir qui ressemble à un arabe, j'affirme que le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé. Voilà.